Eh, on n'est pas bien là dans le petit jardin et tout tranquille. Bon, j'ai encore rien branlé, il y a juste le compost et tout. On va se caler là pour la petite vidéo. Là, j'ai un truc à vous faire. Franchement, vous allez voir ça. J'ai réfléchi là. Ah oui, et vous oubliez pas de liker. Hein. Vous vous abonnez, vous cliquez sur la petite cloche. Comme ça, ça me donne plus de visibilité et ça vous permet d'être au courant. Et puis ça motive, ça donne du cœur à l'ouvrage. Je viens de me faire une putain de session avec le spawn là en mode skateboard de malade et tout. C'était trop cool. Vous savez, le chien là, il me tracte et tout avec le skate là. Pouah, c'est énorme. Faudra que je vous fasse une vidéo, un de ces quatre. Bon, bref. La petite thématique de la vidéo, là, je me cale au jardin. Et ouais, bah, je vais faire un peu comme tout le monde. Je vais parler vite fait du corona. Hein. Sauf que bah, ça va pas être sous le. Comme d'habitude, ça va pas être sous le même angle que les autres, quoi. Parce que bah, ça fait un moment que je vous regarde tous là dans mon réseau. Et putain, mais comment vous me faites halluciner? Alors, déjà, je vous invite à retourner sur la dernière vidéo, là, la vidéo que je vous ai fait sur le triangle dramatique, là. Je vous invite vraiment à la remater, parce que sinon, vous allez rien comprendre à ce que je vais expliquer après. Hein. Donc, le triangle dramatique, je vous l'affiche deux secondes là. Victime, sauveur, bourreau, d'accord? Enfin, plutôt victime, comme c'est marqué là, persécuteur et bourreau. On a la victime, on a le persécuteur et on a le sauveteur, voilà, le sauveteur. Et ouais. Parce que là, mine de rien, le coronavirus, bah, c'est complètement ça, quoi, les gars. Hein. Et ouais. Dans mon réseau, moi, je vois plein de petites victimes, là, qui sont en train de se dire « Oh, mon Dieu, quel état scandaleux !» Ça fait depuis le début de la création que l'État, ils nous la font à l'envers, hein, qui nous enculent, etc. Je vous fais des musiques depuis 20 ans, je vous balance des zics pour vous dire qu'il est temps de se révolter, de faire péter le système et tout machin. On est plein, on ouvre des squats, on fait des ZAD, on vous fait des trucs, vous vous en battez les couilles. Et puis là, d'un seul coup, je veux dire, je vois plein de gens qui s'énervent de ouf, quoi, qui veulent vraiment faire péter le gouvernement, mais on part dans des trucs de fachos, des trucs de malades et tout, hein, vraiment, hein. En mode, là, c'est le moment qu'il y a un chef providentiel à la Mussolini qui débarque et tout, là, ils vous embarquent tous, hein, le fascisme vert, on y est, hein, la chanson, là, attends, je vous mets deux secondes, là. Et pour préserver la planète, j'ai petit fascisme vert, là. Tuerait des frères malhonnêtes. Ah ouais, ouais, c'était une intuition à l'époque, bon, c'était pas très très clair, mais là, je commence à sentir venir le truc, là, franchement, vous me faites flipper, un truc de malade. Vous êtes, pour la. Pas tout le monde, hein, j'en vois là, qui sont en mode ah, arrêtez de m'emmerder, arrêtez de m'envoyer des trucs et tout. D'ailleurs, si au passage vous pouvez arrêter de m'envoyer toutes vos vidéos fake à la con, là, machin, avec les débiles qui pensent avoir découvert des trucs, etc., machin, what, enfin. Arrêtons tous ces trucs, je veux plus recevoir de vidéos toutes nulles et tout comme ça, machin, là, qui sont censées apporter la solution de dingue, etc. Arrêtez là, parce que trois jours après, c'est un fake, etc., le mec il est en prison et tout, ça sert à rien. Prenons un peu de recul, mais là. Pour le coup, triangle dramatique, hein. Je vous réinvite encore une fois à aller voir la vidéo pour ceux qui l'ont pas vu, l'autre vidéo sur le triangle dramatique. Eh bah, vous êtes pas mal à être dans la position de victime. Et puis, notre persécuteur, eh bah, c'est l'État, c'est le système, c'est le coronavirus. Hein? Et puis on a notre sauveur, notre sauveteur. Le professeur Raoul. Avec la chloroquine, qu'on sait même pas si ça marche vraiment encore. Bon, moi, perso, la chloroquine, je me dis c'est pas mal. Hein. Si on peut faire baisser une charge virale, bon, c'est comme ces autres maladies un peu bizarres, genre le sida, le cancer et tout, machin et tout, mais bon, faire baisser une charge virale, c'est déjà une bonne chose. Hein. Si la chloroquine peut servir à ça, bon, c'est un produit qui servait à protéger du paludisme, etc., qui était très suivi avant au niveau de la prise, parce que bon, il y a des risques de vomissement, on peut devenir aveugle, on fait pas mal de choses comme ça. Dans un cadre médical, la chloroquine et tout, moi, je dis, ça me paraît plutôt cool. Mais attention, je veux dire, là, je vais vous mettre quelques screenshots, franchement, mais c'est un truc de malade. Je veux dire, le professeur Raoult, This is the legend et tout machin, là, le sauveur du monde. Ah, j'ai des gens, dans mon réseau, ils veulent en faire le président et tout. Ils l'ont comparé, je sais pas, il a été comparé à Che Guevara et tout machin. Non, mais faut vous détendre, les gens, quoi. Ah, non, mais vous êtes fous, quoi. Faites des vidéos, faites des clips, mettez-vous à la musique, faites un enfant, je sais pas, faites ce que faites des trucs. Arrêtez, je veux dire. Là, vous êtes, vous avez une énergie, une kundalini de dingue qui descend parce que bah vous allez plus travailler. Donc votre vie, là, machin, bah toute l'énergie qui vous servait à bosser de ouf, bah elle, vous savez plus quoi en faire. Donc du coup, plutôt que de vous servir de cette énergie, de cette kundalini pour vous transformer, bah, yeah, partir dans les étoiles, et bah vous rentrez dans le triangle dramatique. Eh ouais, victime, c'est vous. Sauveur, c'est le professeur Raoult face au grand méchant capital et tout. Le gars, il a rien demandé. C'est juste un scientifique à qui il faut accorder énormément de crédit. Bon,
Voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous dire, les gens, arrêtez de planer. Il y a plein d'énergies qui sont disponibles. Là, on vient de se taper une lune en bélier. Il y a des années, là, 2012, c'était prétendument la fin du monde. En fait, c'était un changement de cycle chez les Mayas, etc. Enfin, on est dans des moments où il y a plein d'énergies de transmutation. Alors, en temps normal, cette énergie, elle sert à consommer, à niquer la planète, etc., à faire de la merde, à faire des guerres, etc. Là, on est tous au point zéro, au point calme. Donc vraiment, cette énergie, servez-vous-en pour transmuter tous vos problèmes, faire le deuil de votre ancien vous, devenir des nouvelles personnes pour un nouveau paradigme, un nouveau monde, c'est vraiment à ça. Gaïa nous a mis cette pause pour qu'on fasse une pause comme un gamin qui fait de la merde. Tu vas au coin. Voilà, c'est exactement ce qui nous est arrivé là. Donc ne prenez pas votre énergie pour la balancer dans le triangle dramatique, hein. C'est de la merde le triangle dramatique, je vous invite une troisième fois à aller mater cette vidéo. L'autre vidéo, là, voilà, je la mets en haut dans la petite passive, vous cliquez en haut. Mettez-vous pas en victime. Mettez-vous pas éventuellement en sauveur, parce qu'il y en a aussi, là, je les vois sur les réseaux, qui sont là, même des potos, qui font des vidéos en mode « Raoult, this is the power !» Mais arrêtez vos conneries. Prenons un peu de recul, attendons de voir les choses, hein. Faisons surtout en sorte de rester bien confinés, parce que même si, personnellement, je trouve que c'est un peu un choix de merde, le confinement, faut pas oublier qu'on est une collectivité, donc on a décidé de faire ça, on le fait tous ensemble, hein. Gérez vos gosses, parce que moi, quand je vais balader mon chien pendant ma petite heure où j'évite tout le monde, je vois plein de groupes de gamins qui sont attroupés, etc., machin. Alors les parents, hein, qui je sais pas quoi, laissent leur gamin à l'école, etc., machin, et quand le gamin est plus à l'école, bah ils le laissent dans la rue vagabonder, etc. Arrêtez vos conneries, soyez un petit peu responsables, comme le dirait Barreau, soyez sérieux, soyez un petit peu des adultes, hein, les gens, les copains, les amis, tous ceux qui me regardent. Servez-vous de cette putain d'énergie pour vous transmuter. Vous avez qu'à faire comme moi, vous claquez une vidéo par jour, vous apprenez un nouvel instrument, vous faites, il y a plein de choses à faire, faites un enfant, montez un projet, écrivez des articles, mettez-vous à la couture, je sais pas, apprenez à votre chien à faire du cirque, sautez dans des cercles et tout machin, fabriquez des meubles. Mais s'il vous plaît, arrêtez d'envoyer toutes vos vidéos de merde, de partout. Arrêtez de... Ah, pitié. J'ai besoin d'internet pour travailler, mais franchement, je commence à me dire qu'il faut que j'arrête de me connecter à Facebook parce que ça a jamais été aussi toxique. Allez, bon, vous m'avez un peu vénère sur cette action, mais je prends conscience quand même que vous êtes dans ce triangle dramatique et c'est plein de compassion, je veux dire... J'y suis passé, des potes y sont passés, plein de gens y passent. Vous avez la vidéo, hein, la vidéo qui vous explique le concept, triangle dramatique, persécuteur, victime, sauveteur. Quel que soit le rôle que vous prenez dans ce jeu de chaise musicale énergétique, c'est de la merde, hein. Alors, reportez le pas sur votre femme à l'intérieur de votre couple. Vous mettez pas à tabasser votre femme ou n'importe quoi parce qu'elle vous casse un peu trop les couilles, etc. ou n'importe quoi. Vous mettez pas, vous les nanas, à vouloir transformer votre mec, etc. Lui vouloir faire comprendre des disquettes et tout. Maintenant, s'il les a pas compris en 10 ans, il va pas les comprendre maintenant. Vous, les enfants, pareil, laissez-les tranquilles à la maison, hein, mais laissez-les tranquilles. C'est peut-être le moment de les laisser jouer un petit peu plus à la PS4, etc. Mais, s'il vous plaît, pitié. Ne rentrez pas dans ce jeu énergétique parce que on a une énergie qui est disponible, elle est là pour changer le monde, installer un nouveau paradigme et pour quand on sera sorti de cette couille et de cette pandémie, pouvoir vraiment, 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 ce coup-ci, changer le monde. Alors, je compte sur vous les gens, plein de bisous, je vous fais des love, bah 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 bah.